Les vaisseaux sanguins assurent le transport du sang du cœur vers tous les organes et les tissus du corps. Le rectum, l'anus et l'ouverture anale contiennent de nombreux vaisseaux sanguins. Il arrive parfois qu'une augmentation de la pression sanguine dans la zone du rectum entraîne une dilatation des vaisseaux sanguins de l'anus. Cette augmentation de la pression sanguine peut être due à une constipation, une diarrhée, une grossesse ou au vieillissement. Lorsque les vaisseaux sanguins sont dilatés, ils forment des varices appelées hémorroïdes. Les hémorroïdes sont une pathologie très courante. La cause la plus courante d'hémorroïdes est le déploiement d'efforts importants pour expulser les selles. Les hémorroïdes sont soit internes, auquel cas elles se produisent à l'intérieur de l'anus, soit externes, auquel cas elles se trouvent juste sous la peau au niveau de l'ouverture anale. Elles peuvent également saillir de l'anus. Les hémorroïdes se manifestent par des symptômes tels qu'un saignement rectal après être allé à la selle, une défécation douloureuse et des démangeaisons anales.